Bonjour, je suis Hans Mettenheim, professeur et responsable de la chaire de finances quantitatives et gestion des risques à l'IPAG Business School et entre autres responsable pour certains programmes avec les étudiants, notamment le master finances et marchés. Ce qu'on regarde dans cet article, c'est l'application de l'intelligence artificielle à la finance. C'est-à-dire ce qu'on va faire, on va prendre des données historiques, ça peut être des données quotidiennes ou des données à plus haute fréquence, et essayer de voir si dans ces données on peut trouver des patterns qui vont nous permettre de prévoir certains aspects des marchés financiers. L'intelligence artificielle peut vous aider à générer des idées sur l'optimisation de vos portefeuilles et sur la gestion d'actifs. C'est dans tous les cas un outil d'aide à la décision, mais pas un outil que vous allez utiliser en automatique, tout simplement en aveugle. C'est pour ça que nous fournissons un travail important d'interprétation et d'évaluation des résultats. C'est un peu ce que cet article essaye de montrer, quelles sont les différentes facettes, les différents aspects de l'intelligence artificielle appliquée justement de façon intelligente au marché financier.